un dîner gala de levée de fonds qui a été un vrai succès. Et ce fonds va permettre la mise en place d'un projet qui permettra de créer une vingtaine d'emplois directs et sinon une cinquantaine d'emplois indirects au profit de la jeunesse, tel que c'est indiqué. Au-delà de ça, nous avons des actions directes. Les actions directes, c'est quand la MINESTI prend sur elle, avec les moyens qu'elle a, pour se mettre à la disposition ou bien pour subvenir aux besoins de la population. Nous avons fait un investissement global de 77 millions au profit des populations de la sous-préfecture de Tiémé. Je suis parvenu à la tête de cette mutuelle, non pas forcément pour avoir été l'initiateur, mais pour avoir fait l'unanimité de la consultation des cadres. Le conseil d'administration a pour rôle d'éditer la politique générale de la mutuelle et veille à l'exécution de la feuille de route confiée à la direction exécutive, et ce, à travers des convocations d'assemblée générale annuelle, d'assemblée générale extraordinaire. À la mutuelle, nous sommes très très bien organisés, de telle sorte que il y a la délégation. Quand le PCA finit la conception, il délègue à la direction exécutive qui est en charge maintenant de l'application. Et le PCA s'est fait entourer de conseillers qui, avec lui, font le point. Donc, en termes de timing, on a le temps de se voir entre 1 ou 2 heures, souvent les week-ends, pour se partager les idées et puis avancer. Je peux dire que la population est satisfaite de nos actions à ce profit. Pourtant, nous sommes unis à Tiémé autour de la mutuelle. Tout mon souhait est que dans le district de Dengueulé, tous les cadres se mettent ensemble pour que, enfin, Dengueulé parle d'une seule voix pour aller au développement du district de Dengueulé. C'est pour ça que nous sommes très fiers et nous disons merci au président de la République pour tous les efforts de développement qui sont faits à Tiémé et dans le district de Dengueulé. Ensemble, Tiémé est sur le chemin du développement avec le district du Dengueulé. Voilà, donc j'appelle tous les cadres à l'union sacrée pour qu'ensemble nous aidions le ministre-gouverneur du district à aller au développement.